Oui, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées abondamment. C'est le pasteur Parfait Madingou qui est en face de vous. Je suis en voyage missionnaire aux États-Unis d'Amérique, précisément à Washington, devant le Capitole. Je suis en voyage missionnaire, comme je l'ai dit, pour accomplir la mission, la tâche que le Seigneur nous a confiée, celle d'apporter l'évangile dans le monde entier, conformément à Marc chapitre 16, au verset 15, il est écrit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui aura cru, et qui sera baptisé, il sera sauvé. » Et encore dans Matthieu 28, verset 19, il est écrit « Faites-les toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et dans Matthieu toujours, au chapitre 24, verset 14, il est écrit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et après viendra la fin. Voilà, bien-aimés, c'est en conformité absolue avec ces écritures que j'ai accompli le voyage. Et si vous pouvez vous rappeler que dans Actes chapitre 1, quand Jésus est ressuscité, avant son ascension dans la gloire, il était réuni avec les disciples. Ils ont posé la question à savoir si c'était en ces temps-là que le Seigneur allait rétablir le royaume d'Israël. Parce que selon les saintes écritures, et Israël étant une nation souveraine, une nation autonome à l'époque de David et de Salomon. Mais après, les rois qui l'auront suivi, il y a eu ce qu'on a appelé Israël est parti en captivité, Israël était sous l'occupation des Babyloniens, des Grecs et des Romains. Mais selon les prophéties, ils attendaient le Messie qui allait restaurer le royaume. Et ils pensaient que le royaume qui sera établi au millénium devait être établi pendant que Jésus était venu sur la terre. Bon, quand Jésus est venu sur terre, c'était justement c'est pour donner sa vie pour le salut de l'humanité. Mais le royaume que les Juifs attendaient, il aura bien lieu sur cette terre. Ce sera pendant le millénium. Donc avant d'arriver au millénium, il y avait d'abord le sacrifice qu'il devait offrir à la, croix. Jésus devait mourir, il devait ressusciter, il devait repartir au ciel. Et il allait revenir chercher son église. Et une fois qu'il sera revenu prendre son église, alors, pour 3 ans et demi pour le festin de noces, il allait redescendre avec son épouse pour les milléniums, afin d'accomplir cette prophétie que les Juifs attendaient. Et qu'ils pensaient que quand Jésus était sur terre, il était venu pour rétablir le royaume. Mais Jésus leur a dit, il dit, ce n'est pas de vous de savoir le temps et le moment, mais vous, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, vous allez commencer à Jérusalem, pas ailleurs. À Jérusalem, un prédicateur, un pasteur, un missionnaire doit d'abord commencer à prêcher là où il est né, là où il a grandi, là où Dieu l'a appelé avant d'aller ailleurs. Le Seigneur dit à Jérusalem ce qu'ils ont fait en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, par exemple, je viens du Congo Brazzaville, à Pointe-Noire. J'ai commencé à prêcher à Pointe-Noire, là où j'ai une église. J'ai prêché à Brazzaville, là où j'ai une église, avant de m'envoler en Europe, là où je vais souvent prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, c'est aux États-Unis. Donc, bien-aimés, c'est de cet évangile-là pour lequel Dieu m'a envoyé, que Dieu envoie tous les missionnaires au travers le monde, que je m'aimerais parler en quelques mots. Donc, je disais tantôt que Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, vous remarquerez que je suis très loin de Pointe-Noire, très loin de Brazzaville. C'est l'accomplissement de cette écriture. L'évangile doit être apporté, l'évangile doit être véhiculé par ceux que Dieu a mandatés et nous devons l'apporter aux extrémités de la terre. La bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle parle de qui, bien-aimé? La bonne nouvelle parle de Jésus.
Car la Bible nous dit dans, Jean, dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'est de salut en aucun autre. Voilà ce que nous prêchons, ce que nous voulons faire comprendre à l'humanité. Car la paix, on ne la connaîtra jamais dans les organisations, les organismes. Nous avons l'ONU, nous avons l'OIA, nous avons beaucoup d'organismes. Mais les problèmes sur la terre n'ont jamais pris fin. Il y a des bruits de guerre, il y a des troubles, des soulèvements, il y a des guerres civiles, ainsi de suite. La véritable paix ne viendra pas de l'ONU. La véritable paix ne viendra d'aucune organisation. Mais la paix, si le monde ne peut pas accepter Jésus, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de armes. Il n'y aura plus de rassemblement chaque fois là, dans le Capitole, là, le Sénat américain ou le Congrès américain, ou les députés. Mais si simplement l'humanité entière pouvait accepter Jésus, il y aura la paix. Mais comme nous croyons à la prédestination, le salut, c'est pour ceux qui sont prédestinés. Donc, l'Écriture dit, acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel ils ont le salut. Il n'y a que le nom de Jésus. L'Écriture dit dans les épîtres de Paul que Dieu l'a souverainement élevé, Jésus, au-dessus de tous les cieux, au-dessus de tous les noms, afin que devant Jésus, tous genoux fléchissent. On nous a parlé des prophètes, il y en a eu, bien-aimés, des véritables prophètes qui ont fait des grandes choses. Et nous témoignons Dieu pour cela. On a connu Abraham, on a connu Moïse, on a connu Ézéchiel, on a connu Ésaïe, on a connu Jérémie et j'en passe. Des vrais prophètes qui ont fait des grandes œuvres et qui sont restés gravés dans les annales du temps et dans le livre de l'histoire, et dans les Saintes Écritures. Des grands hommes de Dieu qui ont marqué ce monde, qui ont été des figures emblématiques de l'histoire de l'Église. Mais tous, ils sont morts. Tous, ils sont morts. Aucun d'eux n'est ressuscité. Aucun d'eux n'a vaincu la mort. Et nous avons aussi entendu parler de faux prophètes. Jetez le nom pour éviter des polémiques. Mais aucun de tous ceux-là qui se réclament des prophètes, des sauveurs de l'humanité, que ce soit des Africains, que ce soit en Asie, aux États-Unis d'Amérique ou au travers le monde, aucun de tous ceux-là, après être morts, sont revenus à la vie. Mais nous avons un seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il annonce déjà les prophètes de l'Ancien Testament, depuis Genèse, depuis les premiers chapitres de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 14. Que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Or, la femme n'a pas de sémence parce que la femme n'engendre pas. Mais cette fois, Dieu avait donné la femme une sémence. Qui était la sémence de la femme? C'était Jésus. Effectivement, ce que Dieu a fait, Dieu a placé au sein de Marie les cellules mâles et femelles. Parce que la prophétie disait qu'une vierge concevra. Une vierge concevra. Et le nom de l'enfant sera appelé Emmanuel. Une vierge concevra. C'était la vérité. Les gens ont entendu pendant des siècles, 7 siècles plus tard, dans la ville de Nazareth, une ville là où il y avait le péché en plein, qui l'aurait cru que Dieu pouvait se réserver une fille vierge au nom de Marie. Au travers d'elle, la grande prophétie d'Ésaïe devait s'accomplir. Et lors de l'accomplissement, quand l'ange Gabriel visite Marie, l'ange l'a porté une salutation angélique et que les catholiques en ont fait une prière, malheureusement. Il dit, je vous salue Marie, car le Seigneur est avec vous. Il dit, vous deviendrez enceinte et l'enfant que vous allez enfanter, un fils, donnera le nom de Jésus. Marie étant vierge, il dit, mais comment cela arrivera-t-il? Il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, il sera appelé fils du Très-Haut. Voilà les Écritures. Dieu a fait quoi? Parce que pour qu'une femme puisse donner le jour, pour qu'une femme puisse concevoir, il faut qu'il y ait un contact. Parce que pour que les ovules sortent de l'ovaire de la femme, il faut qu'il y ait une sensation, il faut qu'un homme touche. Ainsi, l'ovule descend au travers de l'ovaire. Il y a contact avec la semence de l'homme. Mais pour cette fois-là, Dieu a créé les ovules, Dieu a créé la semence de l'homme, Dieu a placé dans le sein de Marie, et cet enfant qui est né n'avait ni sang des juifs, ni sang des gentils, ni sang des congolais, ni sang des américains, mais c'était le sang de Dieu pour sauver l'humanité. Donc je disais, les prophètes ont annoncé, tous les prophètes de l'Ancien Testament, leur thème principal était la venue du Messie, celui que les juifs appelaient Hamashia.
celui que les Grecs appelaient Christos, celui que les Français appellent Messie, celui que les Américains appellent Christ. Tout le thème central de tous les grands prophètes de la Bible, en fait, leur venue sur terre était juste pour annoncer. Et sous forme de type, sous forme de préfiguration, sous forme d'ombre, Dieu avait déjà montré la venue de Jésus. Et quand il est arrivé, les prophéties devaient s'accomplir. Qu'il allait vivre, qu'il allait mourir, qu'il allait donner sa vie et qu'il allait ressusciter le troisième jour. Vous vous souvenez de l'histoire de Luc chapitre 24, lorsque les deux disciples qui revenaient d'Emmaüs, alors qu'ils étaient, ils étaient désappointés, déçus de voir qu'un homme comme Jésus, qui a calmé la tempête, qui a marché sur l'eau, qui a ressuscité les morts, comment est-ce qu'un tel homme pouvait mourir? Mais pourtant c'était écrit que le Christ souffrirait et que le troisième jour, qu'il allait le ressusciter. Pendant qu'ils étaient en chemin, tristes, Jésus leur est apparu. Jésus leur a rappelé cela aux hommes dont le cœur sont là à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. Commençant par Moïse, la loi, les prophètes et les psaumes. Donc dans toutes les écritures, il leur a annoncé ce qui le concernait. Et un peu plus loin, il dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures et que le Christ allait souffrir et qu'il allait ressusciter et rentrer dans sa gloire. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom. C'est ce que nous prêchons, mes frères. La repentance et le pardon de péché pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle, pour avoir la paix dont le monde a besoin. Le monde croit trouver la paix dans les organismes ou dans les confins de l'histoire. C'est la fin de l'Église. Mais le troisième jour, Jésus est sorti de la tombe. Ça, c'était le couronnement de sa messianité. C'était la conclusion finale. C'était le sceau que Jésus était plus qu'un homme. Tous les prophètes sont morts dans la tombe. Les gens nous parlent de beaucoup de grands prophètes. Oh, qu'ils sont morts, ils vont ressusciter. Et devant leur tombe, il y a des chevaux blancs. Il y a un cheval blanc. Et lorsqu'il se mettra dessus, il va parcourir le monde entier pour conquérir l'humanité. Oh, mes frères, mais depuis qu'ils sont morts, depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, jamais ils sont ressuscités. Mais nous avons un seul homme. Il a dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie, Jésus. Et il est revenu le troisième jour. Il est monté, l'église sera enlevée, mais Jésus était élevé parce que personne, il est monté tout seul. Mais nous irons, la puissance de Dieu nous fera enlever, mais Jésus est monté seul. C'est un grand miracle, c'est la preuve que Jésus est plus qu'un homme. C'est lui que nous prêchons au travers le monde. C'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui a vaincu le séjour des morts. Comme l'avait dit Pierre, il dit, David a parlé de lui. Il dit qu'il était impossible que le lien de la mort puisse le retenir. Il était impossible que le lien de la mort le retienne. C'était impossible, frère. David a parlé de lui dans Actes chapitre 2, chapitre 3, quand l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre exposait, donnait son message lors de l'inauguration de l'église à la Pentecôte. Jésus est sorti de la tombe parce que le lien de la mort peut me retenir. Le lien de la mort a retenu les prophètes et les apôtres, mais le lien de la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Jésus est sorti de la tombe, il a vaincu la mort, il a vaincu la tombe, il a vaincu le séjour des morts et il est vivant à jamais. Il a fait la promesse que je serai avec vous. Et à la Pentecôte, il est revenu. 50 jours après sa résurrection, 10 jours après qu'il soit élevé de la gloire, le 50e jour, il est descendu sous la forme du Saint-Esprit afin d'habiter dans le cœur des croyants, comme il avait promis. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je m'en vais, c'est vrai, mais je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité que le Père vous a promis. Là, vous le lirez dans Jean 14 et Jean 16. Jésus l'a promis, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais vous, vous le connaissez, il demeure avec vous, mais il sera en vous. Il était avec eux, mais il devait être en eux. Ainsi, Jésus est monté au ciel. Il est revenu cette fois, pas sous une forme corporelle, mais sous la forme de l'Esprit, afin d'habiter l'Église, afin de former l'Église, afin de donner le jour à son Église, en conformité avec les Écritures.
Être membre de cette église, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit en passant par le baptême d'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme l'a dit Pierre lorsqu'il a donné le sermon inaugural, le sermon qui a inauguré l'église à la Pentecôte. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Voilà le message que nous véhiculons, bien-aimés, au travers le monde. Car l'église est le véhicule de la vie éternelle. L'église est le véhicule de la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. L'église véhicule la bonne nouvelle. L'église, c'est à qui vous remettrez les péchés. Une fois que vous croyez à la parole de Dieu, vos péchés sont remis. Une fois que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes délivré de tout péché, délivré des malédictions, des mauvais sorts, des maladies. Les gens sont sous le joug esclavagiste de fausseté, de dogmes, du péché, des malédictions, des infirmités, de toutes ces choses. Mais la solution n'est qu'en Jésus-Christ. Je vous donne l'opportunité, bien-aimés, au travers des images, au travers les médias, au travers cette vidéo, d'écouter ce message de paix qui vous délivre du péché, qui vous délivre de la confusion. Le salut n'est pas loin, il est seulement en Christ, frère. Ne le cherche pas loin de toi, ne le cherche pas qu'il faut aller là-bas. Non, accepte Jésus. C'est lui qui est le prince de la paix. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3:16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut, c'est un don de Dieu. Le don que Dieu a donné gratuitement à l'humanité. Mes frères, s'il y avait un prix pour cela, alors il y aurait eu seulement des hommes riches qui pouvaient s'en approprier. Mais Dieu l'a placé, le salut, à un niveau où tout le monde peut l'avoir. Le salut, il dit, afin que quiconque croit en lui, que vous soyez analphabète, que vous soyez instruit, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez rouge, que vous soyez jaune. Si vous acceptez Jésus, vous avez la paix et vous avez le salut. Voilà le message que je vous transmets alors ici aux États-Unis d'Amérique, à Washington, dans mon parcours de mon voyage missionnaire aux États-Unis.